il est pas pile poil en face, donc j'ai dû changer l'angle. Il arrive à une L'angle vitesse là, longbow. il arrive vraiment vite, faut vraiment qu'on le touche. Bah, plus il arrivera vite, plus on aura la chance de le. On est à c'est quoi? C'est 30, 35 degrés Merde! gauche, Non, un t'as truc raison, comme faut ça? en tirer une autre. Oh putain, tu me dis quand c'est bon, parce que là il est vraiment Feu, très feu, proche. feu, 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 feu. Boum. J'ai mis à droite alors que c'était à Oh, gauche. il passe au-dessus de nous, là il va nous rentrer dedans! Les mers du Nord, le 29 novembre 1940. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans ce sous-marin. De retour dans la boîte de conserve. Exactement. Ouais, ah, voilà. Direct. Il y a DJ Wolf. Mais bon, on est bien Qu'est-ce là. Que tu fais là, toi? C'est ma pièce, c'est chez moi ça, sors de là. Je suis capitaine, monsieur. Voilà. Ah, ouais, il a déjà commencé. Il Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est quoi, il est obligé de. J'ai trompé de. Attends, laisse-moi prendre l'air avant de partir, je peux dire au revoir à ma famille. Il va noyer les moteurs direct. Je sais plus comment je fais pour monter. C'est quoi la touche? C'est la clic souris? Ah oui, c'est la souris. Oh là là, j'ai le petit cul de Wolf juste devant moi. T'as mis de la musique sur le pont? Eh DJ, DJ Ran, tu peux mettre la musique sur le pont s'il te plaît? Ah là là. J'espère que ça va bien se passer. Alors, c'est pas terrible d'apercevoir celui-là en premier. Tu le vois ou pas? Bah, bien sûr que je le vois. J'ai pas des jumelles moi en fait? Ah si, je suis bête. Sinon ton accord. Bon, tu es d'accord, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus. Il a quoi? Il a qu'une cheminée? C'est lui. Alors, nous avons un Bittern classe slope d'une longueur de 80 mètres. Ah, il se déplace bien. À 19 nœuds. Donc toi, t'as dit que c'était un quoi? Bah, vu la tête qu'il a d'ici, pour moi, c'est le Warship. Hein. Le Bittern classe slope? Ouais. C'est un bateau qui va à 18 nœuds, qui fait 23 mètres de haut. Deux petits mâts fins et une cheminée. Il est bien seul. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ah exact, attends. Ah oui, ils sont bien espacés du coup. C'est un autre warship ça aussi. On dirait celui-là. Donc là c'est le marchand, il est à gauche. Ah t'as deux marchands sur l'autre gauche. Ah non attends. T'as un warship, un marchand derrière, il est balèze le marchand. Et sur la droite, il y a un autre warship. Moi, ça c'est un warship. 1, 2, 3, 4, 5, 5 marchands. Et encore un warship qui ferme. Là, il y a un passager. Il y en a un, c'est le Flower Class Corvette, là, celui qui est à gauche. C'est le premier, ouais. Ouais. Après, il y a un marchand. Ok, 2. Ah oui, 3, 4 marchands. Et le dernier qui ferme, c'est le sloop, là, comme t'as dit. Ok. Du coup, ils vont sur la gauche, faut peut-être qu'on. On tourne un petit peu, non? Ou tu veux qu'on arrive dans leur 6? Bah, si tu viens dans leur 6, on n'est pas prêt de les rattraper, enfin, c'est plus compliqué de les tirer. On est peut-être un peu les, sur la les garder sur le flanc tel qu'on l'a, c'est nickel. Ouais. Comme eux, ils vont sur la gauche, peut-être commencer à tourner un peu, je sais pas, de 5-10 degrés. 5 degrés, tu rigoles ou quoi? Il y a déjà 10. Il faut mettre au moins 20-25 degrés. Tu veux pas tourner le rudder d'ici là? Un degré à gauche? Ouais. Je pense qu'il faut mettre 20 degrés. Parce que de toute façon, déjà le premier il est à 15 degrés. J'y suis, Rana. Ouais, ouais, ouais.
petit 32. Mast, mast, cheminée. Le petit 32. Ouais, bien vu. Ah, le deuxième, c'est compliqué, on dirait qu'il y a deux cheminées. Le deuxième, il a deux haches, enfin, quand tu le vois de face. Et deux cheminées, ouais, exact. Ah, mais tu peux pas, c'est soit à l'avant, soit à l'arrière. Ou alors, il y en a un. Attends, il y a peut-être deux bateaux. Il y en a deux, non, il y en a deux. Il y a peut-être deux bateaux, exact. Ouais. C'est quatre. Ah non, oui, en fait, il y en a plein qui sont. Ah oui, les uns derrière les autres. Ah, exact. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a au moins 12 marchands. 6, 7, ouais. Oh, et là, j'ai mis autant. Pour deux warships. Bah, dis donc. Faut taper les warships. Hein. Tu parles d'une escorte. Wolf, un autre warship à notre droite, derrière le dernier qu'on pensait que c'était le dernier. Il y en a un autre au fond. Un peu plus loin. Ah, ouais, c'est un marchand. Attends, je vois pas bien. Non, c'est un warship. Il y a trois warships. On est dans la merde. Hein. Ouais. Il faut couler les deux qui sont de l'autre côté déjà. On devrait se concentrer sur le premier, faire demi-tour, se barrer. Les reprendre en chasse. Taper le deuxième. Parce que là c'est compliqué de taper les marchands si on a trop warship à notre recherche. Toi tu veux taper celui en tête là. Ah, je pense qu'il faut taper celui qui est en tête et se barrer. Mmh. Bon, je pense que... On va commencer à mon avis, on va pas tarder à plonger parce que bientôt ils vont tirer dessus, ça continue. Non, ça commence un peu trop à... baisse un peu la vitesse, peut-être, Anne, pour l'instant. De toute façon, on va couper les moteurs. Hein. On va passer en électrique. Ah, j'ai mis la moitié. Non mais tu peux couper, faut qu'on passe en électrique là, parce qu'à la vitesse où on va s'approcher. J'aime bien ce moment là. Mode immersion s'il vous plaît. Et pourquoi on a... Attends, on n'a pas rechargé. Si. Là, il est pas plein. Pourquoi tu m'aurais mis? C'est on plonge non? Non. C'est jour et nuit, c'est juste pour garder le rythme. Ah ok. Autant pour moi, j'ai fait le jour de... Déjà qu'on voulait que charger le machin. C'est... Elle y est là. Bah ça y est, on peut plonger, hein. On est prêt. Ok. Et on est plein. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On va couper le compresseur parce que. Le compresseur est coupé, hein. Mm. Tu peux pas le faire fonctionner une fois qu'on est sous l'eau. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on avance. Bah, donne les ordres, vas-y, on va. Et ensuite, bah, pour l'instant, bon, on plonge pas plus que ça, là, on est à combien? On est à 10 mètres 50. C'est bien. Et puis après, tu écoutes ta radio, toi, et tu nous dis. Ça fera, je vais écouter vite fait. Voir s'il y a pas une petite surprise. Je pense qu'on a plongé trop tard. Il nous a repéré. Alarme! Alarme! Oui, regarde ce que je te dis, je crois qu'on a plongé trop tard. Arrête avec ça, c'est stressant. Mais c'est pour prévenir l'équipage, même si on est que 3. Oui, mais tire! monte pour tirer, il est dans l'axe. Attends, faut que tu m'expliques, tu me repasses une formation. Ah ouais, là, on n'a pas le temps. Là, franchement, pas le temps. Il fonce droit sur nous. J'ai pas le temps de faire une formation. Merde. Alors. Merde. Ça me saoule. Alors, fais la place. Non, mais je vais le faire. Vas-y. Fais. Explique-moi même. Toi, tout ce que tu fais, c'est tu le vises-le. Est-ce que tu veux qu'on passe en marche arrière? Non. Ok, il arrive pile poil devant nous. Ah, il est vraiment. C'est lequel? Descends le périscope, s'il te plaît, Ren. C'est lequel? C'est le premier warship. Ah, c'est le flower. Le flower, ouais, le premier. Il y a un draw de 4 mètres, je vais le mettre à 2. Ren, tu peux descendre, ouais.
on s'en fout un peu, mais bon, de toute façon, il fonce sur nous. Ça, on s'en fout. Le principal, il avance toujours droit sur nous, face à nous. Affirmatif. Il est à 3 degrés sur notre droite. Tu fais bord A ou B, trop. Vas-y, regarde, regarde. Ah, j'ai oublié ma formation. 3 degrés, c'est pas grave. Vas-y, l'orange, de toute façon, c'est surtout pour la distance. Enfin, pour le chrono. On est prêt à tirer. Tu vises face pile poil au milieu et tire. 3, 2, 1, shoot. Voilà, on n'a pas le temps de calculer ton impact. Hein. Est-ce qu'on tourne ? Non, si il garde l'axe. Il est obligé de nous foncer dessus de toute façon pour balancer ses... Ouais, il nous fonce dessus. Par contre, il va falloir plonger... Si on le coupe pas, il faut plonger vite. Hein. Ralenti, au pire, ralenti. Ralenti, ouais. Parce que là, il arrive très vite. Ouais. Hein. Tu mets dead slow. Super, en plus, il nous chiche avec le... Ils sont où les deux autres, là ? Cherche pas les autres pour l'instant, concentre-toi sur celui-là. Ouais, j'y suis. Je tire encore ? On a dû le rater là. Il est arrivé droit sur nous. Bah il continue là. Il est toujours bien en face ? Ouais. À 3 degrés. Il est en train de tourner un petit peu sur la gauche, mais à la limite on va le taper sur. Ah c'est bon, contact ! Yes ! Ça c'était facile. Maintenant on peut plonger et tourner pour chercher les autres. Heureusement qu'on a un bon tireur. Qui a rien fait. Sona. C'est lequel qui nous arrive dessus ? Attends. Il reste là-haut. En pleine guerre, qu'est-ce que tu fais ? C'est celui qui est sur notre, qui était sur notre droite, c'est le sloop, si je dis pas de conneries. Il est proche aussi, hein. Fais voir. Merci. Il est à 55. C'est quoi, celui-là ? C'est lui qui nous fonce dessus. Alors, il nous voit. Non, qu'est-ce que tu fais ? Touche pas ça. Ah, ça te dérègle tout, toi ? Ok. Reste sur lui, face à lui. Ouais, j'y suis. Vas-y, fais-moi voir. J'en ai besoin pour le bourrin en gueule. 56. Il nous voit sur la gauche. Je vous mets la vue de Wolf si vous voulez voir aussi ce qui se fait. Sur la... À peine. Vas-y, tire. Feu. Donc là, t'as changé l'angle, t'as mis quoi Bah, il nous arrive pas droit dessus. Salut, Mercury. Il est pas pile poil en face, donc j'ai dû changer l'angle. Il arrive à une vitesse là. Il arrive vraiment vite, faut vraiment qu'on le touche. Bah, plus il arrivera vite, plus on aura la chance de le. On est à c'est quoi ? C'est 30, 35 degrés. Non, t'as raison, faut en tirer une autre. Oh putain, tu me dis quand c'est bon, parce que là il est vraiment très proche. J'ai mis à droite alors que c'était à gauche. Oh, il passe au-dessus de nous là, il va nous rentrer dedans. Oh, c'est mort, il nous rentre dedans. Faut qu'on bouge. Il est au-dessus de nous. Ouais, mais moi je peux juste tourner. Oh la vache. Putain, plonge urgente, Ran. Ran, on plonge. Oh putain, je sais plus. On est mort. Oh là. On s'est pris de mine. Ah bah, déjà on s'est pris le... le bateau, le warship là. Pour que ça tourne, ouais, elle a peut-être pas eu le temps de tourner, mais normalement ça tourne bien. Ouais, et comme il était proche, elle a dû passer derrière, non ? Peut-être, je sais pas, moi j'ai pas trop regardé. Hein. Ouais. J'ai juste regardé rapidement sous quel angle il me voyait. Ouais, parce qu'en fait il arrivait très très proche.